T5. Let's go, boys! Breaking Bad. I can admit. Tu fais ta potion magique ou quoi, gars? Piqué. Un cocktail. Cocktail. Cocktail explosif. Explosif. Tu nous mets quoi là-dedans, là? Tu nous as mis de la créa. Tu nous mets un peu de tout, là. Un peu de tout, mec. Bon, c'est coffee time. Je m'occupe d'aller chercher tous les cafés pour les boys. Ensuite, on va manger nos petits breakfasts absolument délicieux. Donc là, c'est les portes de l'ascenseur. Who else? Tia. Justin. Attaque de Sainz sur Russell au virage. Grand Prix de Formule 1 avec le gros Guigui. C'est la folie, ça. L'avantage des US, c'est que les grands prix sont tôt le matin, et ça, c'est cool. Bon. Allez. Aujourd'hui, on avait dit que c'était rest day. But there is no rest day for BK. No rest day. Rest day, so I'm dead. No rest day for the week. Yeah, no rest day for the week. No rest That's day true. For the week, yes. What are you gonna do? 30 minutes on the bike, 30 minutes bodybuilding. That's it. Okay. Let's go. Ah, c'est ça, Toto. Bon, aujourd'hui au programme, on a la registration des athlètes qui va se faire aux alentours de midi. Donc nous, on est en train de se préparer tranquillement. Moi, je vais rejoindre Kylan, on va se faire une petite session tranquille à l'hôtel du gym. Et là, il y a le Guigui, là, en train de se faire tout beau pour l'étouffe. On se fait beau, hein? Oui. Biking with the view, buddy. Sweaty. Sun 2. Sun 2, nice. Sun 2. That's actually a good bike. Yeah, it's a good bike, buddy. Guess the body going. Sweaty, good. Yeah. Nice view. Good for the mind. Good for the mind, baby. Good for the mind, the body, and the soul. Mind, body, and soul connected. It's what you need. It's what you need to succeed. Exactly. Let's go. Yeah, man. Some water with orange, monsieur? Yes, please, mate. Cheers, mate. Let's go pump, bro. Yeah. Direction le check-in. Le check-in pour les boys et pour moi pour le coach pass. Check-in, check-out et check-in ce soir. Check-in demain matin. Tu vas check-in, check-out, check-in, check-out. Et après, demain matin, check-in aussi. Petit coup de pain pour BK. Ah, oh, il s'est peigné. Always sharp. Il est coquet. Il est coquet. J'essaie pas mieux quand même. Ça y est, c'est parti, on vient d'arriver. C'est le moment pour... la première registration, on va avoir plusieurs check-in à faire dans le week-end. Celle-ci, c'est la toute première. Il me semble qu'ils ont le photoshoot et ils récupèrent tout leur équipement et tout ça. Là. Let's go. How's everything going? Well, I think we're just going to take that by ear. Hello, boys. I need someone to talk tomorrow. However, they want you here at 8:30. Let's go, baby. Accessories, we got a lot of stuff you to try. You can start. You
you could get a picture of him as well. Yeah. Oh yeah. Fuck yeah. You ready? No. Underwear. Under here, you have all of your shorts. See the best. Stand right about here. Your toes right up here. Perfect. Feet, hips, rotate towards me. There you go. First shot, arms crossed. Looking right in the camera with a serious look, right? So go ahead and cross your arms for me. Okay, I'm going to straighten out your shirt with your arms crossed so I can read your name. Let's do that one again. Yeah, see that one again? Rotate just your shoulders towards camera. There you go. Not as much, a little bit less. Fine. Tourne-toi un petit peu, ouais, voilà. Dans l'autre sens, Guy. There you go, right there. 3, 2, 1. Great. Hey. Hide your name on here. Not right here. Step right on up. There you go. You're going to take your feet from your hips towards me. Hips? Yeah, perfect. First shot, arms crossed, serious. Big biceps, mec. Bon, ça y est, les boys viennent de récupérer leur package et toutes leurs affaires. C'était un truc de ouf. Franchement, l'expérience, là, quand tu traverses le tunnel et que tu arrives dans le vestiaire où il y a tous les noms et tout, là, c'était cool. Quelque chose qu'on n'est pas prêt d'oublier, les gars, je vous le dis direct. Ah, il est vachement. Ah, ouais, ouais. Tu vois ça? Tu vois? CrossFit. HFS. Ça va où? Friends. Ouais. Yeah, boy. Henry. J'ai mis en story. And then bring that out there with you. You're going to hold it up in front of you for one shot. Ah, mais les photos, alors on te gavait bien. Tu veux enjoy the moment. Tu mets tout dedans? Oui, ça rentre. Il y a trop de choses. That's it, boys. We fucking did it. That's it, boys. That's it. Ouais, attends, tu veux. Attends, faut le voir. J'ai vu le tir et tout, ils s'entraînaient là-bas. Ah bon? Ouais, ouais. Il y a un entraînement, il y a Tia, il y a Mourad et tout, Pouvel qui s'entraînent. Mais non. Comment ça se fait qu'ils ont accès à ça, eux? Et nous aussi, on a accès, on peut s'entraîner. Ah, donc là, on peut s'entraîner ici maintenant. Oh, bah venez, on va voir. C'est. How am I gonna carry all the stuff? So the boys are getting more stuff. Les boys ont récupéré toutes leurs fringues et tout, et maintenant on passe dans un espèce de stand. Vous voyez, il y a plein de marques différentes qui sont les unes derrière les autres, là à côté de moi. Et en fait, chaque sponsor des Games offre un package complet aux athlètes en plus de tout ce qu'on a. Donc là, le deal, c'est qu'à mon avis, pour rentrer en France, on va être obligé de prendre voire une à deux valises en plus, je pense. C'est un truc de ouf. It's me. Say hi to France, mate. Hello, France. You may know me from the internet. You also may not know me from the internet. No, they will. That's absolutely fine. Hi. How are you, Jazz? I'm good. How are you? Good. Thanks. You having a good time? Yeah. We did. Ah, les boys, vous allez vous fiancer ou quoi là? Yeah. Ça y est? Ça y est. C'est la demande en mariage? Ah, c'est trop stylé. Il y a Fikowski. Bon, clairement une journée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Hein, le gros Guigui? Putain, c'est ouf. Franchement, je sais pas comment vous décrire ce qu'on vient de vivre là. C'était un truc de ouf. Passer dans le couloir, revenir ici, croiser tous ces gonzes, les vêtements et tout, c'était un truc de ouf. Une expérience. Une expérience qui paraît complètement irréaliste au final. Là on a les boys, ils sont en train de faire des petites modifications. Putain, ma coupe de cheveux, c'est vraiment un carnage. Les boys sont en train de faire des petites modifications de leur bio Instagram du coup. Oh, there you go.
2022 Crossing Gamut là. Moi je peux pas encore, monsieur. What's happening? Tu peux pas? Mais non, mais j'ai trop de trucs. Il est en stress, il peut pas. J'ai trop de trucs sur mon. Putain, ah merde. Attends. C'est ça quand t'es une. Quand t'es famous sur Instagram, gros. Ouais, mais je vais enlever des trucs. Good content. Good content. He's loving it. The boys are doing the laundry. Allez, c'est le moment d'essayage pour les boys. Mais cette fois, en fait, celles de Guigui, elles sont toutes en cuir. Il y a une histoire de clean à plus ou moins 160 kilos. Allez, arrête de te la raconter. Regarde-le. Quand tu sais, je suis en train de faire le droit. Ah ouais. Sinon, ouais. Bon, voilà. Les chaussures de Guigui. Bon, perso, c'est pas mon style de couleur. Parce que les boys, ils en font. Guigui, il a demandé à changer de tongue aussi. À la base, il les avait pris à sa taille. Et là, en fait, il s'est rendu compte qu'il les avait pris en 42, alors que le mec, c'est du 45, quoi. Il a les pieds qui débordent de chaque côté. Sans déconner, quoi. Ouais. Moi, ça me choque pas, ça, tu vois. Pas mal. T-shirt manche longue pour le gros Guigui. Ah, vous avez un peu plein de couleurs différentes, quand même. Ouais, on a du noir. Vous avez noir et du coup, c'est quoi les autres? C'est un peu couleur Sahara. Sable un peu. Sable stylé. Donc là, vous devez nager avec ça ou pas? Ouais. Ok. Par contre, les sacs, ils sont assez sympas, tu vois. Je suis assez fan, vous êtes... Ouais, les sacs, c'est stylé. Ça va jamais, gros. C'est incroyable. Franchement, deux t-shirts de dingue. Ouais. J'ai même pas autant de vêtements chez moi, quoi. J'ai porté trois t-shirts dans ma vie, quoi. Le pull, il est grave classe. Ah, vous avez le pull, le boule, ouais, je l'ai vu à Londres, celui-là. Waouh, c'est ouais, ils sont sympas quand même, les pulls. Waouh, ouais. Celui-là, est là. Il est bon, ça. Kiki is excited. Celui-là, il est trop bon. Feels good. Bon, voilà, les Instagrammeurs. C'est bon, là, depuis tout à l'heure, je peux même pas m'allonger sans. Regardez, ils sont là, ça fait des stories. Ah, il a lâché le téléphone, lui, exprès, parce que je fais ça la vidéo. Ah ouais. Le mec, il est sur son téléphone H24 et là, il le lâche, t'es. Franchement, sans déconner, quoi. Ah, bref. En tout cas, les boys, je trouve vos pompes, elles sont gavées stylées. Vous allez être grave beau gosse sur le floor. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Deboy. Ah, les boys, ils sont en plein kiff, là. Regardez, ils sont quand même des petites folles, un petit coucher de soleil. C'est petit CrossFit Games 2022. C'est beau quand même. Ouais. Ah non, on n'est pas à plaindre. Let's go. Bon, les boys, ils avaient leur dîner. Ils sont venus me rejoindre. Moi, j'étais avec KP. On a fait petit dîner. Du coup, le bon vieux BK, il a rencontré l'ami KP. Donc, c'était cool. On a passé une super soirée. Demain, check-in encore des athlètes. Apparemment, ils ont un gros briefing. Un peu bizarre, ils ont reçu un mail comme quoi ils devaient prendre des affaires, prendre de la nourriture, etc. Donc, Khan, il a une grande suspicion, enfin il n'arrive pas trop à comprendre pourquoi les athlètes ont été convoqués aussitôt dans la compétition. Donc Khan, il se demande si en fait ils vont pas avoir des events secrets et commencer plutôt la compétition. Donc de là à commencer demain, je sais pas, on verra. Mais voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Je vous fais une grosse bise. Ciao la team, bye bye. Day 6, let's fucking go Kiki, let's go. Let's go. BK, il est là ce matin, il est ready to fucking go. Il porte toutes les fringues des games. En vrai, les ensembles, ils sont grave stylés. Hein. Ouais. Ce matin, c'est compliqué pour BK. Hein? C'est pas trop ce qu'il a, il est pas dedans du tout, il fait que des conneries. Donc, ça va de conneries en conneries. Là, il vient de renverser à l'instant un checker entier De créa. Faut savoir un truc, c'est que Kylan, c'est l'homme qui prenait 30 grammes de protéines par heure. De créatine, par heure. Je dis, franchement, ça passe pas trop bien ce matin. Déjà, j'ai fait des bêtises. T'es pas réveillé, gros, ça se voit là. J'ai l'habitude à faire des bêtises, mais là, par contre, ce matin, ouais. C'est vraiment un peu plus que d'habitude. Ouais. Ça va un peu comme ça. Voilà, vous voyez, regardez. Putain. Biquet. C'est parti pour le briefing. Ready to go, Kiki? Let's go, baby. Easy, man. Ah, y a Guigui, on sait pas trop ce qu'il fait. Il fait son trafic. Un petit par manique. Mais t'as pas de manique là?
Allez boys, à tout à l'heure si on se recroise, si on se revoit pas. Et puis let's fucking go. Je vais garer la bagnole moi. À toutes. Bon, moi je viens de dropper les boys, eux ils vont à leur briefing, moi je vais au mien. Et la journée elle commence dès maintenant. J'espère qu'ils vont pas leur préparer un petit event sorti derrière les fagots là, ça serait... On a pris tout ce qu'il fallait au cas où. Ils avaient bien dit dans le mail qu'ils avaient besoin de prendre de la bouffe et tout ça, donc on sait jamais. Voilà. Petit event surprise. We never know. Welcome to the 22-in 2022, so you're off to a good start. 2022 Noble CrossFit Games, congratulations to all of you for proving yourself. So from left to right, actually we'll go right to left. We got Griffin Raleigh, Fee Sagafi, Ali Scuds, Chloe Wilson, Mitchell Stevenson, and last minute, we called him yesterday, hey, you good to go? Yep, I'll be there in 90 minutes, one street corner. Hell yeah. Events, they're gonna say, hey, you're gonna get a full brief on Wednesday, okay? Just so you know. Cool, you guys ready? Workout one of the 2022 CrossFit Games. We're calling it Bike to Work. You're gonna start on the North Park outside field of play. Far side away from Zeus, the big rig. Beep, you're gonna run into the rig and you've got 75 toes to bar. 74, 75, amazingly fast set. She's gonna hop on the bike, she's gonna run out the back of the North Park, she's gonna hop on the bike, and she's got a 5 mile ride, mixed terrain, cross country, before she returns back into the stadium to complete. 74, 75. She's gonna hop back on the bike, another 5 mile ride. After 5 miles, comes back into her lane, lays the bike down, run to the finish. Time cap is 50 minutes 5-0. Shout out to Logan. So what are you gonna do? Start again on North Park, hold up 400 meters. So that's 4 trips down the back. The demonstration uses something on the back with. You need to the bar up, and it's time for me. Use that bar overhead. Know that my expectation for you guys this year is for your experience as coaches to be different than it has been previously. Bon, les boys, ils sont retenus en otage là jusqu'à apparemment 13h, là il est 10h du mat. Je pense qu'ils ont plein de setup à faire pour tout ce qui est matos et tout. Du coup, ben moi je m'arrache et je vais finir tout ce qui est vidéo, photo et tout là pour les prochaines pour les prochains vlogs qui vont sortir. Allez, la bise la team. Bon voilà, on est de retour à l'hôtel avec les boys, je viens d'aller les récupérer, c'était hyper long pour eux apparemment, ils ont eu 3 heures où il s'est pas passé grand chose, où ils ont essentiellement réglé du matériel, pour que ça soit... C'était pourquoi vous avez réglé le matériel les boys déjà? Ah oui, pour les jack blocks pardon, les selles pour les vélos et tout ça, donc apparemment c'était hyper long et très chiant. Ils ont eu l'occasion, vous avez eu l'occasion de faire un tour c'est ça les boys? Deux tours de vélo, un rapide et un moins rapide, là on est de retour à l'hôtel. Bon vieux. Ensuite, on va retourner s'acclimater un petit peu. Cet après-midi, on va aller s'entraîner. Enfin, les boys, pas moi, parce que les coachs n'ont pas le droit. Mais les boys, ils vont aller s'acclimater un petit peu dans la warm-up area, aller toucher un peu les barres, barbells, enfin, toutes les plates, les ergos et tout, voir un petit peu pour s'acclimater à la compétition. Voilà. Allez, la bise, la team. Vous allez en faire quoi du casque pendant les chest to bar et les toes to bar? Regarde, c'est ça. Safety first, number one. Donc vous allez garder le casque? Mais oui. Tout le long? Ouais. Ouais. On va ressembler à des Playmobil, mec. Playmobil. Oh. On est de retour avec les boys dans la zone des athlètes. On est là, ils vont se décrasser un petit peu, bouger un peu, prendre les sensations. Let's go, Big K. Let's go. I can see you're ready to go.
vrai qu'il faut la poser sur, le, sur les blocs. Looking good, buddy. Je viens de tester la run. C'est juste un 400 mètres. On pense que ça va être des segments de 50 mètres. Mais ça va être méga dur. J'ai couru, comme, j'ai couru très très fort. Et j'avais pas beaucoup de temps à la fin. Je pense que les mecs, ils vont faire, je sais pas. Là, maintenant, tout de suite, je vous dirais 2 jerks maximum. Pas plus. Biquet, tu nous montres un peu tes trucs de tir ou quoi là? Non, viens, viens, je t'ai fait un petit tour, regarde. Vas-y, fais-moi, ouais. Fais-moi un petit tour là. Ah bon, t'as déjà, on a vu. Bon, les boys, ils ont une dotation tir. Voilà. Money in the bank. Ouais. Il y a un mec de tir qui s'est pointé avec, ça. Avec une valise. Voilà. Voilà. Donc là, va falloir une merde de plus à se débarrasser de. En fait, non, c'est une limited edition. Lorsqu'on va partir des games, quoi. C'est quoi? C'est une édition limitée. Ah, t'es genre le 126ème sur 300 athlètes, quoi. Voilà, voilà, qui sont sponsorisés par les games. Et il y avait quoi là? Là-dedans? Il y a quoi? Il y avait des pompes. Ah ouais? Ok. Attends, continue le tour avec BK. BK nous fait une petite démo. Donc, ici, donc, là, déjà, il y a gavé de merde partout. Ici, il y a gavé de merde. Il y a tous les t-shirts. Il y a des maniques, des no-bull. Il y a du. Il y a beaucoup trop de trucs. Il y a des ceintures, tu vois, des ceintures des games. Il y a des serviettes. Ouais, il y a des merdes partout. Et un deuxième sac de Noble, un deuxième sac avec des chaussettes, du casquette, American, et welcome to my pickup truck. Et ça, c'est cool quand même. Ça, yeah, that's cool. That's c'est pas cool. Mal quand même, il y a des manches. Au moins, on va pas te louper gros sur le floor là. Mais c'est pas mal quand même. Il y a pas mal de chaussettes. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Là. Vas-y, montre-nous ça, Biquet. Regardez, un. Putain. Un paire. Deux paires. Trois paires. 4 paires. Wow, wow. Je comprends pas le délire de. Super, ok, encore. Allez, encore. Et encore. Donc là, va falloir rentrer avec tout ça en France. Mais on n'a pas prévu ça quand même. Non, on n'a pas, pas du tout prévu ça. Deuxième valise. What's up? Ah là là. Bon voilà, on est là avec les boys, avant-dernière soirée, avant game day. Donc ce soir c'est détente, on rigole avec Big K, on fait des petites blagues. On sort de la piscine, là on était bien, là on est un peu, on est tranquille. On reste quand même assez sérieux. Surtout toi Big K, c'est ton style. On est là pour faire des choses sérieuses. Exactement. Ah là on est bien Guigui. Petit repas. Vu de ouf. Servi sur un plateau. Al dente. Ah ouais. On mange gavé bien. Brocoli, cuit vapeur. Petit riz, franchement. Et le poulet, il est pas mal. Le poulet est pas mal.